Créée en avril de l'année 2014, Foot de Rue Extrême est une série franco-italienne qui est la suite officielle de Foot de Rue, met en jeu 5 équipes qui doivent se battre entre elles pour atteindre la finale du championnat dans le but d'accéder à la Coupe du Monde. Ce tournoi met en jeu des personnages plus atypiques les uns que les autres. Aujourd'hui, nous allons voir 5 personnages d'entre eux appartenant à l'équipe de la team, l'équipe principale de la série. Sami est l'un des joueurs les plus talentueux de foot de rue extrême. Il est déterminé, il s'entraîne rigoureusement. C'est le capitaine de la team. Il s'entraîne rigoureusement pour faire gagner son équipe au tournoi. Mais son caractère bien trempé le fait souvent partir au quart de tour. Mais le nom italien de Sami est Samuel, en abrégé qui donne Samu. Bref, c'est le seul joueur de la team dont l'âge n'est pas indiqué. Samu évidemment a peur du noir. Il porte constamment des chaussures à roulettes, on aurait dit des scratch. C'est un grand fan du groupe de rock Fatal Zombie. Deuxièmement, Inès est du signe du Sagittaire. Elle est donc née le 23 novembre, autrement dit aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, c'est l'anniversaire à Inès. On va lui souhaiter un bon anniversaire à Inès. Contrairement à Monsieur Scratch, elle est nulle, mais nulle, plus nulle que moi en roller. Elle repousse Lord de l'équipe des ninjas alors qu'il pense qu'elle est la plus belle de tout le championnat. Troisièmement, Luan, on sait très peu de choses sur elle. Elle a beau être la meuf la plus bavarde de tout foot de rue extrême, elle cache bien son jeu. On sait notamment qu'elle mesure entre 1m40 et 1m45 et que lors de l'épisode 35, elle va recevoir un compliment de la part de Bruno. C'est une preuve que c'est pas la taille qui fait la beauté. Luna est la meilleure amie d'Inès, est une défenseuse de la team. Elle est drôle, extravertie. Et dans l'épisode 15, elle est amoureuse de Lord qui, lui, est amoureuse de sa meilleure amie, Inès. Quatrième chose, alors pour Greg, la chose essentielle à savoir, c'est que il est doublé par la même personne qui a doublé Tag dans Foot de rue. Et il est amoureux de Samu. Non, je plaisante. Par contre, Greg, il est le meilleur ami de Samy, le capitaine de la team. Par contre, Greg n'a pas de cousin. Il a une tante qui s'appelle Lysia, qui est amoureuse de Paul. Ce qu'il faut savoir sur Joey est simplement comme il dit. Joey est le meilleur gardien du championnat. Il est notamment très intelligent, un peu émotif. Il fait partie d'un groupe de musique. Il a 12 ans et demi et il saute plus haut que moi. Quel manque de respect. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à liker, à partager, à t'abonner si la vidéo t'a plu. Et si tu veux encore plus de contenu de foot de rue extrême, abonne-toi sur la chaîne. Et en commentaire, dis-moi qui est ton personnage préféré dans Foot de rue extrême. Et je ferai plusieurs vidéos 5 choses à savoir, parce que je ferai une vidéo 5 choses à savoir sur les Del Toro, 5 choses à savoir sur les ninjas, 5 choses à savoir sur les magics, etc. Je sortirai un autre 5 choses à savoir pour chaque équipe existant dans Foot de rue extrême. Et je ferai une vidéo spéciale 5 choses à savoir pour Foot de rue. Merci.